Tu vas voir ce que tu vas voir, petit frère. Mes robots ont construit un super robot. C'est un 28 piles. Et moi, les miens, ils ont fait un méga robot. Un 57 piles. Pas de panique, les robots. Si on veut jouer, il va falloir nous fabriquer des robots qui tiennent plus longtemps. Oui, des robots avec deux fois plus de piles. Bon, quoi, qu'est-ce qu'on a dit? Des robots avec deux fois plus de piles, ils ne doivent pas savoir combien ça en fait. Même pas grave, on n'a qu'à multiplier par deux. Vas-y, on commence par ton méga super robot à deux fois 28 piles. Ça se calcule de tête, ça. Ben oui, petit robot, réfléchis un peu. Il suffit de décomposer. Tu es d'accord, 28 piles, c'est 20 piles plus 8 piles. Alors, pour calculer le double de 28, on calcule le double de 20, 40, puis le double de 8, 16. Après, il suffit d'additionner le résultat des deux multiplications. 20 fois 2 plus 8 fois 2, soit 40 plus 16, 56. Il me faut 56 piles pour mon méga super robot. À toi maintenant, pour ton méga méga robot à 2 fois 57 piles. Voyons, le double de 57, à vue de nez, ça doit faire plus de 100. Mais non, petit robot, ne t'inquiète pas, j'ai bien compris. 57 piles, c'est 50 piles plus 7 piles. Parfait! Le double de 50, c'est 100 tout rond. Et le double de 7, c'est 14. T'avais raison, grand frère, il faut plus de 100 piles. Mais combien exactement? Pour le savoir, il faut additionner dans sa tête les résultats des deux multiplications. Dans sa tête, j'ai dit... On a dit 50 fois 2 plus 7 fois 2. 50 fois 2, c'est 100. Et 7 fois 2, c'est 14. Donc, ça fait 100 plus 14. 114. Bravo, c'est ça! Hourra! Et un méga méga robot à 114 piles. Ça dépote un peu plus qu'un méga super robot à 56 piles.